Bienvenue dans ce passage en revue des fiches techniques du Codex Dark Angels en V9. Aujourd'hui, les choix d'élite. L'apothicaire de la Deathwing avec une puissance de 5. On lançait dans une armure Terminator un apothicaire de la Deathwing, un guerrier médecin vétéran qui brave les tirs et les mêlées pour aider ses frères blessés et récupère les glandes progénoïdes de ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Il a 5 pouces de mouvement. Capacité combat de tir 3+, force endurance 4, 5 points de vie, 3 d'attaque au moment 8 et une sauvegarde à 2+. Il est équipé d'un Bolter Storm, aptitude Ange de la Mort, frappe par téléportation, cercle intérieur, croûte Serminatus, reconstitution de combat, Nartesium, escouade de commandement, Deathwing. Monté de station impériale Médicus à Certes Dark Angels, monté personnage infanterie Terminator, Deathwing, cercle intérieur, apothicaire, apothicaire de la Deathwing. Le champion de la Deathwing avec une puissance de 4. C'est le plus redoutable combattant de sa compagnie. Il manie une arme ancienne appelée Halbarde de Caliban avec laquelle il peut faucher plusieurs ennemis d'un coup. Ce n'en est pas moins un expert en combat singulier et il recherche toujours les adversaires les plus dangereux. Il a un mouvement de 5 pouces, capacité combat 2+, capacité de tir 3+, force et endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques au moment 8 et une sauvegarde à 2+. Il est équipé d'une Halbarde de Caliban, aptitude Ange de la Mort, frappe par téléportation, cercle intérieur, l'honneur ou la mort, croûte Serminatus, supériorité martiale, escouade de commandement. Monté de traitement par Médicus Astartes Dark Angels, monté personnage affronté Terminator Deathwing, cercle intérieur, champion de compagnie, champion de la Deathwing. Escouade Terminator de la Deathwing. Déployé rapidement sur le champ de bataille par téléportation dans un imposant transport blindé, les escouades Terminator de la Deathwing déversent des tirs fournis sur leurs ennemis avant d'engager le combat en mêlée et les broyer à l'aide de marteaux Thunder ou les tailler en lanières à coups de Griff Lightning. Ils ont une puissance de 9. Mouvement 5 pouces, capacité combat et de tir 3+, force et endurance 4, 3 points de vie, 2 attaques 3 pour le sergent, commandement à 8 et 9 pour le sergent, sauvegarde à 2+. Ils sont équipés d'un bouclier Storm, d'un jetteur des ténèbres, d'un canon d'assaut, lance-missile cyclone, lance-flamme, long canon emplacement, bolter Storm, point tronçonneur, griffe lightning, lance énergétique, épée énergétique, marteau thunder. Attitude, ange de la mort, escouade de combat, frappe par téléportation, cercle intérieur, croûte Terminatus. Monté de façon impériale Médicus Astartes Dark Angels, monté infanterie, base Terminator, Deathwing, cercle intérieur, escouade Terminator de la Deathwing. Les chevaliers de la Deathwing ont une puissance de 11. Ce sont les ultimes dispensateurs de la mort du chapitre, brisant l'échine de l'ennemi à chacun de leurs coups. Équipés d'armes antiques, ils se téléportent au beau milieu des combats les plus âpres menés par leurs maîtres chevaliers, qui sont des tourbillons de destruction. Les chevaliers de la Deathwing ont un mouvement de 5 pouces, capacité de combat et de tir 2+, force et endurance 4, 3 points de vie, 2 attaques, commandement à 8 et une sauvegarde à 2+. 3 attaques pour le maître chevalier et un commandement à 9 pour le maître chevalier. Armes, fléau des impardonnés, masse d'absolution, bouclier storm, guetteur des ténèbres. Aptitude, ange de la mort, escouade de combat, frappe par téléportation, cercle intérieur, monté de façon impériale du 16-17 Dark Angels, monté infanterie, base terminator, Deathwing, cercle intérieur, chevalier de la Deathwing. Escouade de commandement de la Deathwing avec une puissance de 4. Il arrive qu'une escouade de la Deathwing constitue une garde d'honneur pour les membres de haut rang du cercle intérieur, comme les archivistes ou les chapelains investigateurs, voire les maîtres de compagnie. Ensemble, ils conduisent leurs frères au cœur de la bataille où leurs talents seront les plus utiles. Ils ont un mouvement de 5 pouces, capacité de combat de tir 3+, force et endurance 4, 3 points de vie, 2 attaques 3 pour le sergent, commandement à 8, 9 pour le sergent, et une sauvegarde à 2+. Armes, canon d'assaut, lance-missile cyclone, lance-flamme lourd, canon en plasma, bolter storm, point tronçonneur, griffe lightning, lance énergétique, épée énergétique, marteau thunder, bouclier storm, guetteur des ténèbres. Aptitude, ange de la mort, frappe par téléportation, garde rapproché, cercle intérieur, croûte Terminatus, escouade de commandement, monté de soutien impérial de Suicide Tartes Dark Angels. Monclé, infanterie, base Terminator, Deathwing, cercle intérieur, escouade de commandement de la Deathwing. Apothicaire de la Ravenwing, il a une puissance de 5. Grâce à la puissance, la portée et la vitesse de leur moto, les apothicaires de la Ravenwing peuvent atteindre rapidement leurs frères blessés et veiller à les remettre sur pied au plus tôt ou à récupérer leurs précieuses progénoïdes. L'apothicaire de la Deathwing a un mouvement de 14 pouces, capacité de combat de tir 3+, force 4 endurance 5, 5 points de vie, 3 d'attaque au moment 8 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un lance-grenade à Sartes. Aptitude, ange de la mort, cercle intérieur, zigzag, turbo boost, reconstitution de combat, Nartesium, aura, escouade de commandement. Monté de façon impériale du Sestortes Dark Angels, monté personnage, motard, cercle intérieur, Ravenwing, apothicaire, apothicaire de la Ravenwing. Champion de la Ravenwing avec une puissance de 4. Il est appelé à défendre l'honneur de la deuxième compagnie lors d'un combat rituel et il a la charge de faucher les adversaires les plus redoutables. Le champion de la Ravenwing reçoit une mortelle lame de Caliban, une épée énergétique aussi ancienne que le chapitre. Motley de faction, Imperium Medicus Astartes Dark Angel, Motley motard, personnage, cercle intérieur, Ravenwing, champion de compagnie, champion de la Ravenwing. Le doyen de la Ravenwing avec une puissance de 5. Il porte un étendard sacré de la compagnie et dans l'ombre de cette bannière, les guerriers en armure noire de la Ravenwing dispensent la mort chez l'ennemi. Le doyen constitue un point de ralliement et se trouve généralement en tête de dévastatrices charges de motard.
Il a un mouvement de 14 pour sa capacité combat de tir 3+, force 4, endurance 5, 5 points de vie, 3 attaques, commandement 8, une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un lance-grenade Astartes, d'une pistolet bolter, de serre à plasma. Aptitude ange de la mort, cercle intérieur, zigzag, turbo boost, exploit de commandement, bannière Astartes, aura, mot l'étoile sur impérium, Astartes, Dark Angels, donc les motards, personnages, doyen, cercle intérieur, Ravenwing, doyen de compagnie, doyen de la Ravenwing. Les chevaliers noirs de la Ravenwing, donc une puissance de 6. Les chevaliers noirs de la Ravenwing sont les meilleurs combattants de la deuxième compagnie, des guerriers d'élite dans la lignée des chasseurs de monstres de l'ancienne Caliban. Ils foncent sur l'ennemi en jouant de leur marteau Corvus avec une telle force que leur pique traverse même les armures les plus épaisses. Ils ont un mouvement de 14 pouces, capacité combat de tir 3+, force 4, endurance 5, 3 points de vie, 2 attaques 3 pour le maître de traque de la Ravenwing, un commandement à 8 et une sauvegarde à 3+. Ils sont équipés d'un lance-grenade Astartes, d'un pistolet bolter, serre à placement, marteau Corvus, masse énergétique, épée énergétique. Aptitude ange de la mort, exploit de combat, cercle intérieur, zigzag, turbo boost. Mot-clé de voiture impériale, Magus Astartes, Dark Angels. Mot-clé, motard, base, bombe à fusion, cercle intérieur, Ravenwing, chevalier noir de la Ravenwing. C'est fini pour ce passage en revue des fiches techniques choix d'élite du codex Dark Angels en V9. Semaine prochaine, on va voir les choix d'attaque rapide et aérodynamique.